Bonjour à tous, bienvenue au Disneyland Paris aujourd'hui pour un nouveau vlog. Pourquoi? Parce que c'est Halloween. On est le 4 octobre, les festivités d'Halloween ont commencé depuis le 1er et j'ai réussi à me rendre à Halloween en semaine pour éviter de me retrouver dans une foule absolument insoutenable. Halloween, c'est littéralement ma saison préférée. Toute l'année, j'attends que ça soit Halloween et là, ça y est, j'y suis. Et cette année, c'est un peu particulier parce que vu que c'est l'année des 25 ans, les décorations sur Main Street sont restées. Du coup, toutes les décorations d'Halloween sont toutes regroupées à Frontierland. Ce qui veut dire que non, il n'y a plus de cavalcade d'Halloween et c'est bien dommage. Je viens de voir la mini cavalcade avec les méchants sur les tricycles et franchement, ça vaut pas du tout la cavalcade d'Halloween habituelle. Ça n'empêche que c'est Halloween et qu'il faut que je vous emmène avec moi. L'autre particularité de cette année, c'est que Coco arrive en novembre, si je me trompe pas, et que Halloween cette année est thématisé Coco. Donc il y a toute une partie de Frontierland, on ne vous voit plus, je suis dans le noir, au secours. Donc il y a toute une partie de Frontierland qui est colorée, avec des fleurs partout, c'est la fête des morts quoi. On va aller découvrir ça, par où je dois aller? Par là. D'acheter enfin cette shop à popcorn, à cocktail, à tout ce que vous voulez, en forme de pain empoisonné. L'année dernière, comme beaucoup, je me suis fait avoir et je suis arrivée au moment de la rupture de stock. Qu'est-ce que c'est que ce focus à la con là? Allô? Je suis heureuse de vous annoncer que j'ai en ma possession une shop à pain empoisonné. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais décaler vers Frontierland encore. Je passe ma journée à faire des allers-retours entre Fanta et Frontière. Puisqu'il me faut aller voir la skeleton party de Dingo. Mais est-ce que j'en ai vu? Ça a l'air pas aussi bien que ce qu'on nous a dit que ça allait être. Est-ce que cette phrase est française? Je ne crois pas, mais vous m'avez comprise. Du coup, je vous emmène avec moi, je vais vous filmer ça, puis on verra bien. Together, I'm gonna go.
Waouh. Vous voulez mon avis sur la skeleton party? C'était mignon. Ça dure 2 minutes en fait. Bon, j'avoue, je m'étais un peu spoilée avant de venir, donc je sais que ça durait pas très longtemps. Quand ils ont parlé de la skeleton party et tout. Oh, attendez, à plus long que ça, ça dure 2 secondes. Bon bah. J'espère qu'ils feront un peu plus développer l'année prochaine. Mais bon, c'était mignon, c'était quand même sympa quoi. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé des fêtes d'Halloween de cette année. Je vous avoue que je suis un peu déçue. Je comprends qu'il fallait faire un choix entre les fêtes d'Halloween et les fêtes des 25 ans. Enfin bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de croire en la magie.